Texas Hawk. Anybody out there copy? Over. Trouble. Come back. This is Lizard Tail. Step on it. I'm telling all you losers to get out of my way. Et voilà, ça c'est pas de la conduite de fillette les gars. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va jouer à 18-Wheeler American Pro Tracker avec des gros routiers américains, Marcus Sylvestre dans Over the Top, c'est vrai. Je crois qu'il avait la casquette en arrière, Sylvester Stallone, et il avait un super truc pour faire avec son bras pour casser les bras des autres. Aujourd'hui on va pas casser des bras, on va jouer simplement avec ses gros culs, on appelle ça dans le langage routier, c'est une espèce de camion énorme américain avec le klaxon qui fait du bruit et tout. En gros l'idée c'est un peu genre Crazy Taxi mais avec ces espèces de grosses voitures, on appelle ça des camions, Marcus. Je suis pas encore routier dans l'âme, mais en tout cas, ça va venir. C'est vraiment super bien foutu. C'est un peu court, on verra ça tout à l'heure. Bon, allez, je mets le petit volant, c'est juste pour le folklore, le volant, parce que c'est très très dur. Vous allez voir que c'est très très court, parce qu'il y a que 4 courses à faire en fin de compte. Et il faut être très très précis. C'est à la seconde près que ça se passe. Vous allez admirer le poster derrière moi. Je vais peut-être l'enlever parce que sinon, après. Excuse-moi Gina, voilà, sinon je vais plus y voir grand chose. Je vais commencer, on va faire le mode arcade tout de suite. Je vais jouer au volant juste un peu pour la frime. Oh, il y a encore un bout de truc qui dépasse. C'est pas bien rangé chez Game One. Hein. Voilà, donc regardez, on peut choisir son personnage. Asphalt Cowboy, voilà, celui-là c'est une espèce de chinois. Ah lui j'adore, Streamline. Ils ont chacun leur camion, ils ont des camions différents. Chaque camion évidemment est plus ou moins maniable, plus ou moins costaud, plus ou moins rapide. Allez tiens, on va commencer avec celui-là, ça va être un peu le cirque mais tant pis, c'est pas grave. On va prendre lui et on va y aller. Donc je vais juste jouer au volant pour vous montrer qu'on peut jouer au volant. Le problème c'est que j'avais pas de volant à la maison. Moi je me suis entraîné à la manette et déjà c'était pas facile à la manette je trouve. Donc juste pour le folklore, je fais une course au volant. Je pense pas y arriver, mais après je prendrai la manette. Je jouerai à la manette et on essaiera d'aller plus loin. Il y a que 4 niveaux donc avec un peu de chance on peut peut-être les voir tous. Mais ce qu'il y a c'est que il y a un timing très très serré pour faire chaque niveau. Et du coup c'est à la milliseconde de près. Donc il faut être très concentré tout ça. Et moi vu que je vois rien, d'ailleurs je vais enlever mes lunettes, j'y verrai un petit peu mieux. Vu que je vois pas grand chose, que j'ai très chaud, que j'ai des bouteilles d'une boisson alcoolisée, que je ne me citerai pas juste à côté, ça va pas être fastoche. Mais on y croit, on va faire ce qu'on peut. Alors regardez bien, je suis à l'intérieur du camion, c'est absolument magnifique. Regardez, la cabine est complètement reconstituée avec les petits trucs qui pendouillent sur les côtés. C'est vraiment fabuleux. Alors on peut voir, il y a une vue extérieure. Voilà, ça c'est ce qui permet de voir le camion d'un petit peu plus loin. Mais le plus rigolo c'est quand même à l'intérieur. Donc il faut jongler entre la vue extérieure et la vue intérieure pour arriver à quelque chose. Et c'est parti, regardez, c'est un vrai jeu d'arcade, c'était une borne d'arcade à l'origine. Et elle est vraiment hyper bien retranscrite avec un petit mode parking qu'on verra tout à l'heure qui permet d'augmenter un petit peu la durée de vie. Voilà, là j'ai changé de vitesse. Regardez bien, le gros camion noir à droite, il y a écrit rival dessus. C'est mon rival, il faut que j'aille plus vite que lui. Enfin, le but du jeu de toute façon, c'est d'arriver au bout de cette course dans le temps qui m'est imparti. Là, il me reste 41 secondes. Oh là, il est en train de me cogner l'autre. Donc il faut d'abord que j'arrive à la fin de la course et si possible avant mon adversaire. Sinon ça rapporte juste quelques points en plus et c'est tout. C'est assez génial avec le volant, j'avais pas essayé avant mais c'est assez fabuleux. Alors écoutez les bruitages, ils sont vraiment géniaux, les bruits de frein et tout ça, c'est super réussi. Et j'ai le klaxon, écoutez bien. Ça écrabouille tout le monde. Alors ce qui est génial, ça fait vraiment comme Crazy Taxi, on peut absolument tout écrabouiller, tout péter dans le décor. C'est un vrai bonheur. Allez, on va le doubler par la droite. Regardez, il y a des bifurcations. J'aurais pu prendre à gauche, là. Je vais essayer de passer sur la droite. Et on va voir ce que ça donne. Ah, il y a une voiture juste devant moi. Regardez, la voiture, celle-là, me permet d'avoir du temps en plus. C'est écrit dessus, time. Là, je viens de gagner 3 secondes. Ça va me permettre de passer au prochain checkpoint. Où sont les freins sur le volant? Je sais pas, ça devait être par là. J'ai pas assez freiné. Bon, je sais pas où est mon adversaire pendant ce temps-là. Lui, il a dû prendre l'autre chemin, peut-être. Évidemment, il y a des musiques, il y a des musiques comme tous les westerns, qui chantent très très louchiche. Aïe, ma tête! C'est horrible, vous n'avez pas vu, mais je viens de baisser la tête parce que je suis passé sous un tunnel. On s'y croirait vraiment, surtout avec le volant, c'est vraiment hallucinant. Avec de l'entraînement, je pense qu'on peut vraiment bien jouer avec le volant. Simplement, moi je ne me suis pas entraîné du tout avec le volant, donc j'ai du mal. Il fait chaud dans ce camion, ça. Un peu dur, il n'y a pas la clim dans les camions de routier. Bon voilà, 0 seconde, donc c'est ce que j'avais prédit. Time is up. Donc j'ai pas réussi, donc je me mets ma petite manette. Excusez-moi, voilà, regardez-moi, je dégouline de partout. Voilà, et j'appuie sur continue. Je vais jouer à la manette, ça ira bien mieux. Mais on avait envie de vous faire à Game One un petit plaisir. On avait fait un camion avec les bouteilles de bière qui vont bien, le poster de fille à moitié à poil derrière. Enfin bref, un vrai truc de routier. Alors, c'est parti. Je vais essayer de le refaire ce coup-ci.
et d'aller beaucoup mieux, d'essayer d'aller à la fin de ce niveau. Je vous laisse profiter des bruitages parce qu'ils sont vraiment super. Ah non, ça c'est la marche arrière, quel boulet. Il faut que je m'habitue, à ces touches-là, voilà. Donc il n'y a que deux vitesses en fait, vitesse lente et vitesse rapide. Il faut un peu se fier au bruit du moteur pour arriver à faire quelque chose. Et puis il y a aussi la marche arrière qui sert à se garer. Donc dans ces niveaux-là, ça sert à rien pour le moment. L'ambiance sonore est vraiment géniale. Allez, on écoute un petit peu l'ambiance sonore, vous m'en direz des nouvelles. De temps en temps, il y a l'autre qui vous insulte à la radio. Le bruit que vous entendez là, c'est le bruit des freins. Oh, la freinée sec, les vidéos. Allez, on va essayer de passer entre ces deux-là. J'ai pas dit que c'était fin, j'ai dit que j'allais essayer de passer. Alors regardez, tout à l'heure, on a pris à droite, ce coup-ci on va essayer de prendre à gauche, à moins qu'il m'en empêche. Voilà, on va faire comme lui. Donc heureusement qu'il y a ça qui augmente un petit peu la durée de vie. Il y a parfois plusieurs chemins. Oh là, les freins. Attention, la petite cabane de plage. Là, je crois qu'on est à New York et on va du côté de Key West en Floride. Ça fait un sacré trajet. Alors que dans le jeu, il dure vraiment pas longtemps. C'est à peine 3 minutes. Ah voilà, une petite voiture pour gagner du temps. Donc celle-là, il faut les heurter exprès. C'est pas que je conduis mal, c'est qu'il faut vraiment les heurter pour gagner du temps. Parce que si vous n'arrivez pas au checkpoint à temps, vous êtes carrément viré. Donc tout ça rend les choses bien bien difficiles, mais en même temps c'est super agréable. Alors le truc dommage, c'est comme c'est très très limité en temps, on n'a pas vraiment le temps de musarder et de se promener. Il faut absolument faire tout. On n'a pas le temps vraiment de visiter et d'aller voir les décors de fond en comble. Oh là, 2 secondes, j'arriverai pas au bout. Pourtant le prochain checkpoint est pas très très loin. Et voilà, c'est perdu ce coup-ci encore. Il fait super chaud dans ce camion, je vous le dis. Ça va pas être facile de survivre. Bon, on recommence. Ce coup-ci concentré et on va y arriver. Il faudrait bien au moins vous faire voir la deuxième partie. Il y a une tornade carrément comme dans Twister qui est en train de passer au-dessus de l'autoroute, les camions qui s'envolent, etc. C'est vraiment très très bien. Bon, tout ça se finit normalement, allez, en 3-4 heures, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc les trouver également. C'est encore pire que Crazy Taxi dans le genre, c'est vraiment de l'arcade, du fun pendant 4 heures, et puis après plus grand chose. À la différence près que Crazy Taxi n'est pas de mode de joueur, là on peut jouer à deux, on peut faire des courses avec des gros camions. Et ça augmente quand même pas mal la durée de vie finalement. Mais les courses en soi, il y a 4 courses de la taille de celle-là, il y en a une qui est un peu plus grande. Et ça fait vraiment pas une grosse durée de vie. Allez hop, on passe en vitesse supérieure. Et on va essayer de rattraper notre petit camarade. J'adore le klaxon. C'est une super idée, je trouve qu'ils ont bien fait de le mettre parce que ça sert à rien mais ça fait plaisir. Ils tous rêvaient d'actionner un gros klaxon de camion une fois dans sa vie, bah voilà. Là on y est. Bon là il est en train de me doubler mais c'est pas grave en même temps, parce qu'on arrive toujours à le rattraper. Et le principal c'est d'arriver au bout de la course, qu'on soit premier ou deuxième c'est pas très grave. Il faut déjà arriver au bout de la course, ce qui est pas facile. Et là je vais peut-être essayer de prendre vers la droite. J'aurais même pu prendre l'autoroute à contresens sur le côté, ça aurait marché aussi. Ah vite, voilà une petite voiture pour gagner du temps. Là, je passe brillamment au checkpoint. Je klaxonne pour fêter ça. Et regardez, je peux me mettre dans cette vue-là. Ça permet de voir la route un petit peu plus loin. Et ça permet surtout de bloquer l'adversaire. Regardez, il a essayé de me faire côté extérieur. Je l'ai bloqué. Donc c'est surtout ça l'intérêt de... Voilà, c'est surtout ça l'intérêt de la vue extérieure. Regardez, c'est de le rabattre. Là, je peux essayer de le rabattre dans l'intérieur du virage. Ce qui fait qu'il ne me double pas comme ça. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, regarde, voilà, je l'ai bien bloqué. Le problème de bloquer l'adversaire, c'est qu'on perd du temps. Et du coup, on risque de perdre la course. Je vais repasser en mode vue intérieure. Regardez, on voit aussi dans le rétro, s'il essaie de vous doubler, voilà, il essaie de me doubler par la gauche. Donc je me suis mis juste devant. Comme ça, en plus, il vous pousse et ça vous fait gagner du temps. Attention, regardez, on est juste... Ah là là, je suis à 1 mm, comme je vous disais. Regardez, l'arrivée, elle est là. Voilà, j'étais à 2 secondes près. C'est terrible. Alors, on recommence, voilà. Donc c'est normal, c'est pas que je sois mauvais, c'est qu'il faut recommencer plein de fois pour vraiment être au millimètre près, au bon moment, etc. Donc ça allonge la durée de vie du jeu, mais c'est un peu artificiel, on aurait bien aimé qu'il y ait plein de courses, qu'il n'y en ait pas que 4 mais une trentaine, ça aurait été sympa.
peut-être même la même course à l'envers, peu importe. Mais voilà, ils ont décidé de faire comme ça. L'idée, c'est de faire un vrai, vrai jeu d'arcade. C'est vrai que c'est quand même un grand, grand jeu d'arcade. Je me suis fait une petite bière, ça va m'aider. En plus, je bois pas du tout dans la vie, donc ça m'aiderait absolument pas. Je voulais m'asperger de bière comme Django Edwards. Je me suis dit, on sait jamais, je pourrais en avaler et je serais malade et ce serait pas bien. Donc je l'ai pas fait. Je ferai Django Edwards un autre jour. Pour ceux qui ne savent pas qui est Django Edwards, c'est un clown américain complètement fou qui fait l'andouille avec de la bière et d'autres choses et qui se promène en string ou seins nus la plupart du temps sur scène. Et il est très rigolo ce monsieur, moi je l'aime beaucoup. Bon allez, concentré. Cette fois, on va essayer de la franchir cette étape pour aller voir l'étape suivante, celle avec la tornade. Je vais peut-être pas trop faire la course avec lui en fait, je vais essayer de pas le... Vous avez vu, si je m'étais pas amusé à lui rentrer dedans, j'aurais gardé de l'élan en fait et je serais peut-être arrivé pile poil dans les temps. Donc on va pas trop s'occuper de lui, même s'il nous menace avec sa civi là. Là regardez, je peux passer de l'autre côté, en plus ça tombe bien, je vois une voiture tac qui va me rapporter plus 3 secondes. Ah, il est en train de m'insulter dans le dans la CB. Alors je disais que c'est difficile, mais alors par contre il y a un truc génial, c'est que c'est super bien foutu au niveau de la maniabilité. C'est vraiment très très simple. Et en même temps, c'est très très précis. Vraiment, les freins réagissent très très bien. On joue avec la manette analogique, donc on peut donner des gros coups de volant ou alors des très petits coups de volant. Enfin vraiment, de ce côté-là, c'est absolument parfait. La jouabilité est parfaite, on prend le truc en main tout de suite. Voilà, simplement, le niveau est vraiment élevé puisque vous avez à chaque fois un millième de seconde pour arriver juste dans les temps. Mais côté maniabilité, c'est vraiment vraiment impeccable. Allez, je suis obligé de freiner comme une bête pour passer ce virage. Il ne me restait plus que 14 secondes. Lui, il s'est arrêté, il a dû se payer une voiture, tu vois. Allez, on passe en vitesse supérieure. Il reste 10 secondes. Normalement, ça devrait être bon. J'aperçois au loin, je ne sais pas si vous la voyez comme moi, la voiture avec un petit bonus de temps. Si j'arrive à la choper juste à temps, ça devrait aller. Oh là là, à 0 secondes. Allez, viens là, petite voiture de temps. Oh, je suis dégoûté. Elle avait les 3 secondes qu'il me fallait pour arriver jusqu'au bout. Quand je vous disais que c'était pas facile, cette fois, on y croit. On en est à 13 minutes de level 1. Je vous promets qu'à la fin de ce level 1, on va y aller. Je vais faire ça. Je vais tenir je vais faire des promesses que je peux pas tenir. On va voir ce que ça donne. Bon, ce coup-ci, concentré. On va faire comme ça. Et puis, je me tais. Peut-être que ça ira mieux. Et Pierre, si tu peux éviter de me mettre ma tête quand il y a des virages et tout, ce serait pas mal aussi parce que ça m'aiderait bien. On va faire le maximum, les gars, pour y arriver. Je sais qu'on peut le faire. La radio, c'est vraiment une radio américaine avec une voix de commentateur américain. Alors là, j'ai pris, je sais pas si vous voyez, à l'intérieur de la cabine, ça bouge vachement. Et il y en a un qui a un chapeau de cow-boy. Le chapeau de cow-boy se balade à l'avant de la voiture sur la plage avant. Des fois, il y a des petits papiers, il y a des tas de trucs. C'est vraiment bourré de détails, super. Je klaxonne, ça fait toujours bien, ça les impressionne, les adversaires. Il y a aussi un mode, ah ouais, je vous en ai pas parlé, bon j'en profite, tant pis si je perds un peu. Il y a un mode parking dans lequel vous devez aller ranger ces espèces de gros camions en parking. Donc tant que c'est en marche avant, ça va, même si c'est en temps limité, c'est déjà pas facile, mais en tout cas ça va. Par contre, dès qu'il s'agit de passer en marche arrière, évidemment c'est super dur. C'est un peu comme si vous essayez de garer une caravane. La remorque, les mouvements de la remorque évidemment sont inversés. Donc ça devient vraiment vraiment pas facile. Ah, voilà la voiture, plus 3 secondes, voilà, merci, hop. Alors vous avez vu, j'arrive à me faufiler quand même, ils sont quand même vachement maniables ces camions en fait. Checkpoint. Voilà, j'ai passé ce checkpoint. Si je l'avais pas passé, la partie s'arrête là. Attends-moi. Voilà, voilà, il a démoli la moitié du truc et il se met en travers de la route en plus. Ça m'arrange pas. Voilà. Elle dit pousse-toi un peu de mon chemin. Ôte-toi de là que je m'y mette. Mais dans un langage un petit peu plus grossier. Faut pas oublier que c'est quand même des routiers américains. Voilà, 8 secondes. On est presque au bout. Je vois la bouche d'entrée. Je vois la voiture qui va me rapporter des bonus de points. Attention. Bon, ce coup-ci, c'est la bonne. Regardez, 4, 3, 2, 1. Oh, à une seconde. C'est pas beau, ça. Et en plus, you win, you win. C'est-à-dire que je suis arrivé devant mon adversaire. Ces deux trucs, c'était pas obligé pour passer au niveau suivant d'arriver devant l'adversaire. Mais c'est obligé d'arriver dans les temps. J'avais pas promis un truc, j'avais pas promis ça et je suis pas en train de le faire. J'adore le bruit, il doit être super content.
notre ami Cédric, l'ingénieur du son. Bon, donc la suite, regardez, un truc de challenge, il faut que j'aille me garer en marche avant. Donc ça, c'est pas trop trop dur. Donc il y a des petites épreuves de parking entre deux entre deux épreuves de course. Alors encore une fois, il n'y a que 4 épreuves de course. Donc là, on vient d'en voir une, autant dire qu'on a vu un quart du jeu. Je trouve que ça fait quand même pas beaucoup. Voilà, je tourne doucement. Faut que j'essaie d'éviter les caisses sur les côtés, vous voyez tous ces trucs pour pas les abîmer. Et il me reste 16 secondes, c'est écrit au-dessus de ma petite casquette Game One. En fait, c'est pas une casquette Game One, c'est une casquette chasse et pêche. Ah, j'ai freiné à la limite. You did it. Yes, génial. Il est pas beau, mon camion. Alors ce qui est dommage, c'est que, ouais, du coup, j'aurais pas le temps de vous faire voir les autres camions, mais chaque camion a sa propre décor. Oh, j'ai gagné un klaxon. Super content. Donc les autres camions ont chacun leur décoration, un peu style western, style chinois, style groovy pour le gars qui a une perruque pas possible. Non, parce que moi c'est mes vrais cheveux en fait, je les cache d'habitude. Voilà, il y a chaque fois des styles différents de camions qui se conduisent un tout petit peu différemment, mais pas énormément. Regardez, là je peux choisir une remorque, celle-ci ou celle-ci, c'est plus ou moins difficile. Moi je vais rester en mode facile pour essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, à chaque étape, vous avez le choix de votre remorque qui est plus ou moins lourde et qui rend le truc plus ou moins incontrôlable. Donc voilà, mais la durée de vie est quand même très très limitée. En gros, en une après-midi, voilà, c'est bâché, c'est fini, on peut ranger le jeu. Sauf qu'il y a le mode de joueur, donc ça c'est bien. Il n'y a pas énormément de circuits, mais au moins on peut se tirer la bourre entre copains, essayer d'écrabouiller le maximum de choses. Alors regardez, mon camion vu de l'extérieur, c'est à peu près la même remorque que tout à l'heure. Il y a des remorques avec des rondins de bois, d'autres avec des voitures qui sont à l'arrière. Il y a vraiment plein de trucs différents. Et là au-dessus, regardez, il y a la valeur de ma remorque au-dessus de ma tête. Elle vaut 10 000 dollars. Et chaque fois que je suis touché par quelque chose, elle s'abîme un petit peu. Allez, on va changer de vitesse. J'espère, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour ce level 1. J'espère qu'on va arriver jusqu'à la tornade. Pierre Boulet, je peux déborder d'un chouïa, s'il te plaît? Je voudrais faire voir la tornade aux gens. Pierre Boulet, tu m'entends? Oui. J'ai le droit de déborder un tout petit peu, sinon non, on ne verra pas la tornade. Non, non. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste? Ah là là, il est autre à... 40 secondes. Je suis obligé de négocier devant vous. 40 secondes, on ouais, peut pas déborder un peu? Ah non, non. Non. Non, non. C'est horrible, il y a une tornade. Bon, vas-y, essaie, mais je suis sûr que tu vas pas y arriver. Si, si, je vais y arriver. Elle est juste au bout de la route. Je peux pas la louper. Regardez, je vais traverser cette merveilleuse zone résidentielle. Ah, les petits pavillons américains, là. On va les faire sauter un peu. Voilà. Et on arrive bientôt à la tornade. Regardez comme le temps se couvre. Il est gentil, Pierre Boulet, de nous laisser déborder quand même un petit peu. Allez, je rentre dans le cockpit parce que c'est de là où c'est le plus spectaculaire. Vous allez voir, on se croirait vraiment dans Twister. Voilà, j'arrive au checkpoint. Mais ma mère, je l'ai fait, Pierre Boulet. Et regardez, le temps s'est vraiment couvert. On aperçoit la tornade, elle est à gauche de l'écran. Je sais pas si vous la voyez. On va la voir beaucoup mieux. Dès la tornade, tu dis au revoir. Hein. D'accord. Mais je voudrais qu'on voit des bus voler quand même, comme dans Twister, et des vaches et tout ça. Regardez les débris qui s'envolent et tout, c'est super bien fait. Donc la tornade, en gros, on s'en fout, mais par contre, faut éviter les débris qu'elle va balancer sur le sol. Regardez, ça balance des voitures et tout. Donc voilà, il est assez fabuleux ce jeu, vraiment. Je trouve que s'il est à 350 balles, ça fait un peu cher. Mais peut-être vous pouvez trouver d'occasion. Ou alors si vous avez des copains, vous pouvez jouer avec et ça allonge un petit peu la durée de vie. Donc voilà, l'idée Crazy Taxi avec des gros culs, ça valait le coup. Bon, cette fois, il me force à dire au revoir. Je vois quelqu'un qui pointe un revolver sur moi. Donc je vous dis au revoir, mais vraiment, c'est très bien. 18-wheeler American Pro Trucker. Time is up. Eh ben pour moi aussi, ciao.